de réaliser avec succès une magnifique forêt noire, un fraisier ou un opéra. Alors restez avec nous, notre invité nous prend par la main et il nous guide pas à pas. Bonjour Philippe Uraca. Bonjour. Vous êtes chef pâtissier, meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Dans votre dernier livre, ce sont vraiment des leçons geste par geste que vous nous proposez. Franchement, si on ne s'y prend pas comme ça, on n'y arrive pas. Alors, la pâtisserie paraît compliquée et moi, j'ai voulu montrer aux gens que c'était simple. C'est simple, il suffit d'avoir les explications et peut-être aussi les 45 années de métier que j'ai, les mettre à la portée de tout le monde. Alors, voilà. Cela donne 3000 photos, des arrêts sur image, hein, en fait, des moments clés de la recette. On va prendre l'opéra. On va le voir à l'image. Évidemment, il est magnifique, on en mangerait. Moi, quand je le vois, je me dis que j'arriverai jamais à faire ça. Alors, le pas à pas de l'opéra, ça donne quoi? Le pas à pas, si vous voulez, j'ai voulu détailler. Vous avez pris un des gâteaux quand même assez complexe. Un peu 48 photos hein, pour 48 l'opéra. Photos simplement pour l'opéra. Et au lieu de mettre des textes, eh bien, on a mis beaucoup de photos parce que quand on réalise un gâteau, c'est mieux de voir. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est parce que je voyais des gens à côté de moi faire et j'ai voulu que la personne qui va y refaire l'opéra puisse comparer tous les gestes et ça permet aussi de faire des gestes francs et peut-être quand on fait une erreur, on le voit de suite. Pour le fraisier, autre exemple, quel serait le piège à éviter sur le fraisier? Le piège à éviter, déjà, c'est choisir de bons fruits parce que ce qui fait la qualité d'un fraisier, c'est le fruit et la crème. Alors, une bonne fraise pour un bon fraisier, c'est quoi? Ça dépend des saisons, puisque vous avez la bonne fraise, mais de la gariguette ou des fraises qui ont de la saveur. Et puis peut-être une crème pas trop grasse pour que justement on puisse reprendre une belle portion. Vous savez, le dessert, c'est donner du plaisir, donc il faut prendre du plaisir en le mangeant aussi. Il faut se resservir. Exactement. C'est mieux, c'est bon signe quand on en reprend une part. Écoutez, je crois qu'une assiette vide, ça parle, quoi. Voilà. Si on se projette en cuisine, effectivement, sur le goût, on peut arriver à réaliser une recette de grand chef. Moi, j'ai l'impression que sur l'esthétique, c'est vraiment très, très difficile. On va voir une photo d'un piémont. Comment je fais pour réussir à avoir cette photo parfaite, ce glaçage impeccable? Il suffit déjà, un, d'avoir le livre, deux, de suivre la recette et puis de regarder les pas à pas. Je crois qu'il n'y a pas d'astuce. Tout est marqué. J'ai rien caché, je vous promets. Et ça me ferait plaisir quand je vois des concours de personnes du grand public. On voit des glaçages comme ça, donc ça veut dire que les gens se sont inspirés de nos recettes et ont regardé la technique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'il faut bien s'imprégner, rentrer dans le livre, il faut le lire, il faut... Et quand on rate une recette une fois, faut pas avoir peur de recommencer? Ça, c'est comme quand on tombe de cheval. Je crois qu'il faut remonter de suite. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est vrai. Philippe Uraca, finalement, qu'est-ce qui fait la difficulté d'une recette en pâtisserie? Mais la difficulté, c'est... Vous savez, la pâtisserie, c'est très technique. Donc, on a peur parce que les matières premières réagissent, la cuisson peut apporter beaucoup, par exemple, sur le croissant. Et si on respecte vraiment ce qui est donné, la pâtisserie, vous savez, c'est pas de la chimie, c'est des choses précises, des poids, des degrés. Il faut les respecter. Et à partir de ce moment-là, tout se passe bien. Ce livre, il a été réalisé avec un four classique. C'est pas un four professionnel. Parce que là aussi, j'ai voulu montrer qu'avec un four classique, on pouvait faire de la belle pâtisserie, les brioches, les croissants, tout ce qui sont le feuilletage, tout a été fait dans un four classique, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de four miracle. Ça devrait nous rassurer, effectivement. Imaginons, j'ouvre votre livre pour la première fois, quelle est la recette que vous me conseillez pour démarrer, pour commencer? Je dirais, moi je commencerai par le début. Non. En plus, vous avez fait ça bien, dans l'ordre. Non, en fait, je crois que les gens connaissent certains produits, et, par exemple la pâte à choux. La pâte à choux, il y a quelques petites astuces pour arriver à la réussir, mais c'est une recette classique de base. Simplement, j'ai donné les petits points qu'il faut faire attention, c'est-à-dire la cuisson, le desséchage, l'incorporation des œufs. Voilà, c'est juste trois petites choses qui vont faire que votre pâte à choux, elle aura un plus. À vous entendre, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Philippe Uraca, d'être venu donc nous parler de votre livre « Pâtisserie, leçon pas à pas ». C'est aux éditions Chêne. Merci à vous. Merci.